Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Summer in Mara, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, enfin voilà, fallait voir Caleb, selon la vieille dame, Sammy, il peut nous aider pour la nouvelle bibine. J'ai besoin de votre aide, Caleb. J'espère que vous avez un potager et que vous vous en occupez très bien. Peut-être que vous pourriez me donner une nouvelle binette. La mienne commence à être vieille. Non, bon d'accord. Mais je peux t'apprendre à en fabriquer une. Mais génial, faisons un échange. J'ai besoin de la laitue et des carottes. Je pourrais en acheter, mais je ne préfère pas. Ne faites pas confiance aux produits du marché. Non, prends ces graines. Tenez, voilà les carottes et la laitue. Une bonne récolte pour un bon monsieur. Parle trop bon. Et mamie disait que j'étais extraverti. Tu veux dire extraverti? Non, je crois pas. Merci pour les légumes. Je vais préparer la cargaison. J'ai obtenu une nouvelle recette d'outils. La binette. De métal. Thank you.
C'est un crab postaux, je sais pas ils sont où. Où est 3? Ah, c'est vrai, faut que je ramène la fleur.
Bon, on va aller voir ce que la vieille dame va nous donner. Qu'est-ce que la fleur que vous vouliez? Ah oui, c'est une de ces fleurs à cul. Vous voyez, je suis sa petite fille. Je ne sais pas si c'est vraiment sa petite fille, mais la connaissez, c'est certain. Le plus choix pour toi, petite. Voyons. Vous n'avez encore jamais quitté mon île. Je voudrais explorer Mara tout entière. Alors, il te faudrait une carte. Cela fait longtemps que je n'en ai pas dessiné, mais je peux essayer. S'il vous plaît, j'aimerais explorer tous les moindres recoins de l'océan. Tu as le même sens de l'aventure que Aku. Non, Yaya, ne me laissez pas voyager. J'étais jeune, elle prenait soin de toi. Il me faudrait du papier et de l'encre pour dessiner de la carte. Je n'ai pas ce qu'il faut ici. Il y a un expert en antiquité ici, dans le grand manoir au marbre. Il pourrait nous aider. Je vais lui parler. Les portes sont ouvertes. Qui est là? C'est moi, Koa. Je ne connais pas de Koa. Je m'appelle Akila. J'appartiens à la noblesse élite. Qui t'envoie? Sami, la dame du phare. Elle a besoin de papier. Parfait, tu es venu voir la bonne personne. Mais tu as même pris, petite créature. As-tu suffisamment d'argent? Qu'est-ce que tu fais ici, petite? Je me balade simplement sur l'île. Pourquoi vivez-vous autant à l'écart des autres? Je n'aime pas beaucoup les gens. Dis-moi, est-ce que tu sais plonger? Évidemment, je suis une aventurière. Parfait. D'après mes notes, il y a une fosse, pas très loin d'ici, dans laquelle un navire aurait sombré il y a longtemps. Tu peux bien y aller et rapporter une cargaison qui est sur cette épave. Qu'est-ce que c'est? C'est un souvenir de bibelot du fond de l'océan. Je m'en charge. Bonjour Koa. Bonjour, ton journal avance. Je voulais t'en parler justement. D'après ce qu'il est écrit dedans, l'homme qui vit dans le manoir est louche. Fais attention, je serai prudente. Mais c'est que j'ai besoin de papier, c'est très cher. Je vais t'aider. Vraiment? Bien sûr, je suis ton mentor après tout. Un aventurier digne de ce nom sait comment fabriquer du papier. Ouais, et tu vas m'apprendre. Il faut que tu plantes cet arbre et que tu récupères sa résine. Puis il suffira de suivre la recette. Elle est inscrite sur mon journal depuis des années. Est-ce qu'il est indiqué comment fabriquer de l'encre aussi? Non. Oh mince. Mais je sais qu'il pourrait t'aider avec ça. Oui, qui ça? Edegan, le banquier. Oh non, là-dessus, je ne demande pas bien. Quand on ne va bien avec lui, je comprends. Mais je suis sûr que tu vas finir par l'amadouer. Super, je vais commencer à fabriquer ce papier. J'irai trouver de l'encre après. Ah! Ah, c'est ok, c'est bon. Je pense que c'est des oignons. Allez, vu ce que je t'ai donné. Ben oui, ma belle, mon beau. Allons voir l'autre, là, sans l'autre. Bonjour, bonjour, bonjour. Petit, on ne t'a jamais appris à te pas déranger les gens. Bonjour. Je m'appelle Koa. Enchanté, Koa. Mais ne m'importune pas. Vous savez quelque chose sur la dame au phare, pardon? Je me demandais si vous saviez quelque chose sur la dame du phare. Il me faut des informations, alors je demande aux habitants de l'île. Ce n'est pas de cette façon que l'on s'adresse aux étrangers. Incroyable. C'est terrible. Une personne ne fait preuve de bonne manière. Pardon, je ne voulais pas vous déranger. Pourtant, tu l'as fait. On ne te demande pas les choses de cette façon. Tu dois te présenter et parler poliment avec les autres. Vous demandez comment allez-vous, puis j'attends patiemment la réponse. Tu es une sauvageonne. Bon, je ferais mieux de partir alors. Non, maintenant tu ne bouges plus d'ici. Où sont tes parents? Je n'en ai pas. D'accord, alors nous allons attendre que l'adulte arrive. Mais vous êtes un adulte, vous, non? Un autre adulte. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Je vous l'ai déjà dit. Je cherche des informations au sujet de la dame de l'île. Bien, je vois que tu commences à retenir la leçon. Aimerais-tu savoir? Je dois lui parler, mais
Mais elle m'ignore. Ah, ça dérange, c'est une femme très occupée. Les gens comme elle font plus en plus rares. Est-ce que vous pourriez m'apprendre à être poli, s'il vous plaît? N'as-tu pas de parents? Je vous ai déjà dit que non. C'est ma mamie qui m'a élevé. Elle n'a pas fait un très bon travail. Hey. Bon, d'accord. Mais je ne traite pas avec les gens qui ne sont pas des clients de cette banque. Je vais devoir t'ouvrir un compte. La compte minimum est de 50 pièces. Et où est-ce que je peux trouver 50 pièces, s'il vous plaît? S'il vous plaît, ne se l'utilise pas comme ça. Tu peux obtenir en vendant des choses aux autres marchands, comme au vieux Quido, ou du porc, au marché. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui, monsieur? Très bien, et toi, comment vas-tu? Super. Est-ce que j'ai réussi? Quoi donc? Eh bien, à être poli et tout. Oui, c'était très bien. Super. Tenez, voici l'argent pour le compte. Très bien, est-ce que tu souhaites un compte débiteur au débiteur? Nous avons tout nouveau produit au bénéfice incroyable. Hein? J'ai un compte d'investissement qui serait parfait pour toi. Chaque année, la banque prendra 20% de l'argent total déposé et investira pour toi. Je veux juste être poli avec la dame, s'il vous plaît. Mais le compte, ça ne m'intéresse pas. Gardez l'argent. D'accord. Étrange, mais d'accord. Afin de convaincre cette dame de te laisser entrer, je te recommande de faire un salut de la marine. Quel vent de marin vous soit favorable. Ouais, ma mamie disait toujours ça. Ça devrait fonctionner. Mais je doute qu'elle te laisse passer uniquement parce que tu seras poli. On verra bien. Oh, petit, tu sais, tu fais peur aux clients. Retournez voir la petite vieille, voir. Toi bien avec tous les gens du village, sinon c'est ça. Kyo, il te faut une miniature de bateau. Qu'est-ce que c'est de ça? Un petit bateau. C'est ma passion. Il y a l'île qui vit dans le manoir, il y en a quelques-unes. Est-ce que tu peux m'en apporter une? Bien sûr, je vais lui demander. Encore toi? Quelle est mon voix? Oh, je vois. Qu'est-ce qu'il te faut? Il voudrait une miniature de bateau. Certaine qu'il ne veut rien d'autre. Oui, j'en suis sûr. Je suppose que tu ne le sais pas, mais Caleb a énormément d'argent. Vraiment, Noah lui a amassé une grande fortune lors de
leur voyage. C'était d'excellents marchands. Ah bon? On ne dirait pas. Tiens, prends cette miniature. Il n'a pas une grande valeur. Je suis sûr qu'il lui plaira. Merci. Apolly, maintenant tu es massagère dans une... nous représente. M'a donné cette miniature de bateau. Elle est très jolie, merci. C'est rien. Est-ce qu'il y a demandé d'être payé? Maintenant que je vous en parle, non. Il ne l'a pas fait. D'accord. Vous allez me pas le payer? Je lui ai donné et de l'argent il y a quelques années, suffisamment pour couvrir le prix de toutes les miniatures qu'il trouverait. Ah oui. C'est la plus longue phrase que je vous ai entendu prononcer. Oui. Quoi, je dois t'apporter de l'argent, Eden. Peux-tu en charger? D'accord, je m'en occupe. Je sais, je ne volerai pas. Je peux plaisanter, évidemment. Le papier, peut-être. Oh, l'arbre, c'est vrai. Thank you.
Non, je vais aller parler à des games, je n'ai pas envie, mais la banque est le seul lieu que je puisse prendre de l'argent. Et voilà les tomates. Les tomates. Menace, salut, comment ça va? Menace 69 300. Attends quoi, tu me fais perdre d'argent avec cette partie-là. Les crabes sont juste là ce soir. Ce n'était pas si compliqué que ça. Merci beaucoup quoi. Voyons comment mon oncle va le prendre. Viens quand tu voudras goûter au plat. Merci. Mais tu les dégaines, pourquoi est-ce que la personne la plus pauvre de l'île vient toujours me voir? Est-ce que je suis pauvre?
D'après mes calculs, oui. Il me faut de langue pour fabriquer une carte. Attention à tes manières. S'il vous plaît, monsieur Elegan, pourriez-vous me donner de langue pour fabriquer une carte? S'il vous plaît. Non. Mais j'étais poli. Oui, eh bien, je vais rien te donner gratuitement. Pour qu'en échange, soit équitable. Je me demande, c'est ça. Je ne suis pas sûr que les échanges marchent comme ça. Écoute, rends-moi service et je te donnerai de langue, d'accord? D'accord. Il faut que tu ailles voir les dames qui sont au marché. Elles me doivent de l'argent pour des commissions. Je ne pourrais pas comprendre. Va leur demander de l'argent, c'est tout. Vous ne pouvez pas le faire vous-même, monsieur Degan? Je suis très occupé. Tu sais? Oui, j'imagine. Tu as porté des citrouilles. Elles sont énormes. Je pensais qu'elles seraient à la taille d'une pêche. À l'avenir, quelqu'un poursuit mon journal. Je lui dirai d'aller te trouver. J'écris la grosse citrouille. Interroger quoi, l'aventurière humaine à ce sujet. Ouais, alors un jour, si quelqu'un lit mon journal, il viendra me voir. Si on veut. Je serai alors une vieille dame. Je suis sûr que tu seras une grande dame. Il n'y a pas de temps à perdre. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, ma petite, que veux-tu? Monsieur Degan m'a dit que vous lui deviez de l'argent. Quel âge, il envoie un enfant faire son sale boulot. Dis-lui que nous n'avons pas d'argent. Il le veut qu'il vienne lui-même. Il a la honte de tous les Kiwido. Mais qu'est-ce que je peux faire? Écoute, nous en vend et en achète. Rapporte-nous un peu de tout, puis tu sauras élaborer mieux ce sera. Je suis certain que tu pourras payer nos dettes grâce à ce que tu vas nous vendre. Mais... Ça, c'est l'argent à l'autre. Là. Pourquoi je l'utilise? Oh, Polly, maintenant tu as un messager, tu es présent. Je vais voir Caleb avant. S'il te plaît, fais vite. Mmh.
Ne me faites pas de mal! Oh non, cette oreille est amicale! Merci pour le host. Baby! Baby! Va bien, moto bouchon, tranquille. Je pense que c'est un crabe que je connais pas celui-là. Ah oui, c'est lui, je le connais. J'ai connu les meilleurs jours. Dans un mois ou deux, je devrais être correct. Salut. Athènes, salut. Attends. Un arbre, deux arbres, trois arbres, ça c'est les arbres à glands. Okay. Pourquoi est-ce que tu veux plus de peinture? D'accord. Allons voir s'il y a un autre marché, peut-être que nous devrions demander à nous aussi. Voyons. Thank you.
Mais je les trouve pas, les maudits crabes. Salut CB, merci. Si je trouverais les crabes, il y a 5 crabes à parler, je n'ai trouvé 3, je sais pas ce qu'il y a les 2 autres. Merci pour le host. Salut à Truck Fit Twitch, à Zélio, Modo Bouchon, Dijabo, Caliman 53, Bijou Fusée. Bienvenue à la tribu du Caribou Canadien, mes chers amis. Ainsi que, attends, on va faire du Apex tantôt, mais là, on est en train d'avancer dans l'aventure. On joue encore pour 15 minutes. On va peut-être jouer une autre heure après. Bon, là, faut que je vais à la banque et ferme à 3h. Il est juste 10h, c'est parfait. Est-ce que tu as mon argent? Oui, mais ce n'est pas celui des dames. Comment? Est-ce que tu l'as ou non? Oui, mais c'est mon argent. Alors, si je vous le donne, est-ce que vous me donnerez de l'encre? Les femmes ne sont pas payées. Ne voulez pas. Elles ont dit que vous étiez une honte, une lâche. C'est peut-être vrai, mais ça ne m'empêche pas qu'elles me doivent de l'argent. Est-ce que mon argent vous convient? Oui, c'est prêt à l'affaire. Fais bien attention à ces femmes, elles sont très gentilles pourtant. On part... Réado, entends-tu par ça? J'ai du pain sur la planche. Je vends des objets, je crois. Parce que là, l'autre... Je vais parler de nouveau pour voir. Attends, je dirais... Mon père, la banque, travaille... Ne me tuera pas. Travaille, mais ne me tuera pas. Et rien, c'est normal, merci beaucoup. Il n'y a pas de temps à perdre, merci. Apporte ça au vieux Noah. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il te faut? Ne joue pas aux devinettes avec nous. Il faut dire s'il te plaît, merci. Merci, maintenant apporte-lui. Bon, d'accord. Oh, j'ai quelque chose pour vous. Rends-moi ça. C'est la part de la dame du marché. Mais c'est pas vraiment méchant. Y a-t-il le paquet de cartes? Elle se moque de moi. Comment ça? Vois-tu, dans ma jeunesse, j'étais un grand joueur de cartes. Personne ne faisait la poix face à moi. Jusqu'à ce que les femmes arrivent sur l'île. Bon sang. Elles jouent comme des démons. Elles m'ont plumé. Maintenant, elles se moquent de moi dès qu'elles ont l'opportunité, je vois. Nous allons nous venger. On va leur apprendre. Tiens, pourquoi me donnez-vous un œuf? Contente-toi de suivre la recette que je vais te donner. On va leur apprendre. Allons voir la vieille dame. Ah, qu'est-ce que tu jouais, Sebi? Que jouais-tu? Oh, tu as déjà tout trouvé. Ça n'a pas été facile. Pardon pour le dérangement, petite. Je n'ose pas parler avec les gens de la ville. Pourquoi? Parfois, les quidos ont peur, même sans raison apparente. La peur nous empêche de faire ce que l'on aime le plus. Il y a des jours où même sortir de son lit est une victoire. J'avoue, ça c'est moi présentement. Arrage 2. Hein?
Je suis sûr qu'un jour, on ira chercher les coquillages ensemble. Ça me ferait énormément plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez dessiner la carte? Mm-hmm. Bien sûr, mais il va falloir un peu plus de temps pour tout terminer. Tu veux bien me rendre un service en attendant, évidemment. Il y a une chamine turbulente qui se réveille en restant de l'île. C'est le maillot. Elle n'arrête pas de me faire des canulars téléphoniques. Si tu pouvais faire quelque chose à ce sujet. Je m'en charge, je vais lui montrer. Quoi? N'oublie pas tes bonnes manières, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, merci. Et toi, Modo, tu joues à quel jeu dernièrement? Putain. Oh, j'avais cru que j'étais bloqué. Resto, c'est ça, je pense. Belle. Bonjour, je cherche Mayo. Pourquoi? On m'a demandé de lui parler. Need for Speed et Rage 2. Ah. Elle n'est pas disponible pour le moment. Ce n'est pas toi, Mayo. J'ai jamais joué à Rage 2. Non, Mayo est une pirate. Elle n'est pas là. Je croyais que c'était une serveuse. Tu t'es trompé. Allô, Mayo, va préparer les tables. À votre service, chef. Tu es donc bien Mayo, tout dépend de ce qu'il demande. Sammy demande que tu arrêtes les canulars téléphoniques. Ah, j'en ai un bon un peu en là. Ça ne m'intéresse pas. Mais je m'ennuie tellement. Presque personne ne vient ici. Il faudra peut-être faire un peu de publicité au restaurant. Tu veux bien m'aider? Qu'est-ce que je dois faire? Préparer un plat et distribuer-le gratuitement. Distribuant 4 plats parmi les habitants de Koalis, de Calis, mais on donne pas aux touristes. C'est une bonne idée. Quel est ce plat? C'est une salade d'Ancora. Où se trouve l'Ancora? C'est la planète d'où vient mon patron. C'est un Hank, tu vois? Je vois. Il est bien trop poilu pour être un Quido. Il a trop de cornes pour être un chaman. Je vais t'apporter de la nourriture. Qui vient d'où? Le restaurant qui appartient au monsieur avec les cornes. Link? Non, merci. La 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 la. Monsieur Kila, oui. Voulez-vous un mets raffiné d'Ancora? Le raffinement n'existe pas à l'Ancora. Ah bon? Oui. Voulez-vous une salade alors? Voyons cela. Délicieux. Et compliments au chef. Allons dur. Je vais souper. Bonne game, Cassette. Merci. À plus tard. Qu'est-ce que c'est de la nourriture gratuite? Ça me plaît.
C'est pas trop mal, je suppose. Cependant, si la nourriture est gratuite à ce goût-là, je préfère encore payer. Ça me fait penser au restaurant à la volonté de l'Ekino. Au revoir. S'il te plaît, fais vite. Comment t'en es sorti? Tu as tout distribué? Bien joué. Ah ouais, ce serait très content. De quoi? Mayo m'a demandé de... Je voulais connaître son avis sur la salade d'Ankora. On est distribué sur toute l'île et cette fille t'a adoré. Vraiment? Quelle bonne idée, Mayo. Je suis sûr que plus de monde voudra venir maintenant. Elle l'adore. Je suis vraiment content de l'entendre. Merci, Mayo. Tu es bien... aider. Pas de problème, chef. Que passe quand tu veux dire. Hey, désolé, mais on ne peut pas t'aider pour le moment. Que passe plus tard. Mais j'ai tout distribué. A plus. Bon, j'espère au moins qu'elle n'embêtera plus ses amis. Mais... Ça, c'est tendu. Pourquoi les habitants de Mara n'aiment pas ma cuisine dingue? Mais je pense qu'en m'entraînant, je pourrais m'améliorer. Une fois, je sais avoir besoin d'aide. Je pourrais vous aider. Certaine? Commencer, il me faut des légumes frais. D'accord, je vous apporte ça. Ah, il faut des... Il faut un radis, j'ai pas de radis. Ouais, c'est un plaisir de te revoir. Je ne reçois plus de canulaire téléphonique. Et la carte est presque terminée. Bien, il me manque plus qu'un dernier détail. Il me faut de l'huile végétale pour venir cerner le papier pour qu'il résiste plus longtemps. De l'huile, je vais demander à Abraham. Allez, on est capable, on continue. Salut, Odin Power, comment ça va? Il y a même plus... Ah, il est là. Bonjour, est-ce que Bram est là? Bram est très occupé pour le moment. Y es-tu? Il me faut. Bonjour, Koa. Salut, qu'est-ce que tu as de l'huile végétale? Je fabrique une carte et tu racontes n'importe quoi, petite. L'huile végétale est un produit alimentaire de qualité. Ça ne sert pas à fabriquer des cartes. Koa, nous n'avons pas. Remets-toi au travail. Mais t'entends? Ouais, vous êtes son oncle. Excusez-moi, vous êtes l'oncle de Bram. Comment allez-vous? Je suis pressé. Peu importe. Le fait que nous n'avons pas d'huile, il nous faut des graines de tournesol pour en fabriquer. Ce matin, j'ai vu un chaman manger des graines de tournesol. Et bien sûr, Lorenzo. Et pardon? Écoute, tu récupères des graines et tu me rapportes des tournesols, je te donnerai en échange des recettes. Pour préparer de l'huile, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on dit? S'il te plaît, d'accord. Attends, j'ai des tournesols. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, je peux préparer de l'huile végétale. Je vais te donner la recette pour que tu en prépares. Mon bon te semble. Tu ne viendras plus m'embêter. Que vous parlez comme ça à vos clients. Ça, c'est Bram. Ça te regarde pas. Je suis le grand chef. Le meilleur de Mara. Vous êtes sûr? Oui, il est excellent. Et toi, tu es le meilleur serveur de Mara? Non. Je deviendrai un chef moi aussi.
Ouais, ben, comme ton nom, il a toujours besoin de beaucoup d'entraînement. Et d'oublier ses idées saugrenues. L'idée. Passe quand tu veux, je te montrerai mes plats. Formidable. Des crabes comme ça, il m'en manque 5. C'est vrai qu'ils disparaissent pas. Il m'en manque 2 plutôt. C'est pas ça, les deux autres. Alors, je fais une petite pause de 1 minute 30 secondes et on revient. Donc c'était tout pour le live du jeu Summer in Mara live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah!